إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيها الإخوة الكرام في هذه المناسبة الكريمة عندنا رواية أتانا بها المؤرخون يقولون nous raconte une histoire sur la mort de Amr ibn al-As رضي الله عنه عمرو بن العاص هذا كان صحابي جليل وكان قبل إسلامه يريد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص هو فاتح مصر c'est lui qui a réussi la conquête de l'Égypte في عهد عمر بن الخطاب عمرو بن العاص حين حضرته المنية quand il était sur le lit de sa mort il a commencé à pleurer بدأ يبكي فقال له ابنه son fils عبد الله il dit mais pourquoi tu pleures Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il t'a fait des du'as, il t'a donné des bisharat, il t'a donné de bonnes nouvelles qui vont t'arriver, incha'Allah, quand tu arriveras chez Allah. En fait, il avait tourné son visage vers le mur, et il a commencé à pleurer. Il s'est retourné vers les gens qui étaient avec lui, il leur a dit, ma vie est passée par trois étapes. La première étape, « Awwalu tabaqatin, kuntu abghadhu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » Je détestais le prophète. Et mon seul souhait, c'était de le rencontrer et de le tuer. Car si Allah subhanahu wa ta'ala m'avait pris à cette période-là, j'aurais été des habitants de l'enfer. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala biminnatihi alayya qadhafa fi qalbi l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a fait musulman. Et je suis allé rencontrer le prophète. Wa bayatuhu. وحين بايعته قلت له يا رسول الله اعطني يمينك donne-moi ta droite donne-moi ta main droite que je te donne allégeance يا رسول الله فقال رسول الله خذها وقال يا رسول الله اني اريد ان اشترط je voudrais poser des conditions قال وما شرطك يا عمرو quelles sont tes conditions قال ان يغفر الله لي ذنوبي que الله سبحانه وتعالى me pardonne tout ce que j'ai fait contre les musulmans tout ce que j'ai fait contre toi قال يا عمرو أو ما علمت أن الإسلام يجب ما قبله ne sais-tu pas que l'islam efface tous les péchés qu'il y avait avant أو ما علمت أن الهجرة تجب ما قبلها le fait que tu immigres vers Allah que tu viennes vers Allah Allah سبحانه وتعالى efface tout ce que tu as fait avant أو ما علمت يا عمرو أن الحج المبرور يجب ما قبله والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ne sais-tu pas que Al-Hajj, le vrai Hajj, que tu fais avec ton cœur et ton âme, et il efface tout ce que tu as fait avant. Ne sais-tu pas, ya Amrou ? Qal, Amr ibn al-As qui parle, il dit à la troisième étape, Harajun wa Maraj, il y a eu des affaires, il y a eu des conquêtes, il y a eu des choses. Wa la a'lamu min Allahi, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous, comment dire, comment Allah subhanahu wa ta'ala, yahkumu baynana fi hatihi. Wa baka, il a pleuré. قال فإذا دفنتموني quand vous allez faire la mise en terre quand vous allez m'enterrer ابقوا معي restez autour de moi قدر ذبح جزور c'est-à-dire le temps d'immoler un chameau par exemple hein, et de le vider de حتى أعلم ما أقول لرسلي pour que je sache ce que je dois dire à ceux qu'Allah سبحانه وتعالى va m'envoyer ce sont les deux anges ماذا نستفيد من هذا الحديث أيها الإخوة أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور, celui qui fait le Hajj avec son âme et son cœur, il n'a pas de récompense que le paradis. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبو هريرة. Le prophète nous rapporte, d'après Abu Huraira, il nous dit, le prophète a dit, من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. Celui qui fait le Hajj et qui n'exerce pas, qui ne fait pas de perversité ni de péché pendant son hajj,
il revient comme le jour où sa mère l'a mis au monde. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم écoutez bien ايها الاخوة واصلوا بين الحج والعمرة multipliez les allers-retours entre le Hajj et l'Umrah. Pourquoi? فإنه مطردة للفقر كما تطرد النار الكير من الحديد والذهب. Al Hajj ou Al Umrah, quand tu multiplies tous les 2-3 ans, tu vas au Hajj ou tu vas à Al Umrah, Allah subhanahu wa ta'ala, il chasse la pauvreté de ta vie, comme vous avez vu, quand on essaye de liquifier et de sortir les impuretés du fer et de l'or, c'est exactement la même chose. Comme ce que fait le feu sur l'or et sur Al Hadid, sur le fer, c'est exactement la même chose. وقال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحجاج والمعتمرين ضيوف الله وحقا على الله أن يستجيب لدعوتهم. Celui qui fait le Hajj et qui fait l'Umra, celui qui va à l'Umra, qui va à l'Bayt al-Haram, il est l'invité de Dieu. Et c'est un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala de leur répondre à leur demande. De répondre à leur demande. أيها الإخوة, في هذه الخطبة إن شاء الله سوف لا تتعلق خطبتنا بالمشاعر الفقهية c'est-à-dire on ne va pas parler des questions de fiqh comment on va faire le hajj, l'ihram, tout ça mais on va essayer de comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le hajj pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le hajj et quelles sont les leçons qu'on peut en tirer de le hajj quelque chose qui est très importante في إيمان الإسلام في إيمان المؤمن. Quelque chose qui est important, c'est justement de croire que l'islam bouniya ala khams, l'islam est construit sur 5 piliers. Et vous remarquerez que les piliers de l'islam, as-salat, c'est d'une manière journalière, 5 fois par jour. As-sawm, tous les ans, il se rappelle. As-zakat, tous les ans. As-shahada, je ne te dis pas. Al-hajj, une fois dans la vie. Une fois dans la vie, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait un pilier. Wa huwa ruknun, al-hajj ruknun min arkan l'islam, wa huwa marratun fil umr. لماذا أيها الإخوة؟ قال العلماء لأن الحج ينتقل بك من مرحلة إلى مرحلة. الحج يغير حياتك. الحج يغير profondément en tant qu'être humain. فمن فعل فمن حج. Celui qui va au Hajj et quand il revient avec un détachement total de la dunya. Il n'a plus la même vision de la chose. Il n'a plus la même vision de la vie ici-bas parce qu'il a vu des choses. Il a eu des sensations que seul Allah subhanahu wa ta'ala, il inculque à quelqu'un qui a visité ces lieux-là. Min maqasid al-hajj ayyuha al-ikhwa, anna al-insana lamma yaqifu fi Arafah. Parmi les desseins de l'hajj, quand les personnes sont fi Arafah, yad'ouna Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyyakum ayyuha al-ikhwa, wa man alayhi al-hajj hadha al-aam, iyyakum iyyakum. Man dhahaba ila Arafah. Ijlis ya akhi, ijlis. فقد أذيت وأنيت ومن ذهب إلى عرفة أيها الإخوة إياكم وإياكم إياكم وإياكم أن يمر الوقت في الحديث عن الدنيا وفي الحديث عن أمور الناس إياكم إياكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى في عرفة الله سبحانه وتعالى يلقي في روعك الله سبحانه وتعالى في عرفة il jette dans ton âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté tes dua et qu'il t'a pardonné. A accepté ton dua et qu'il t'a pardonné. هذه من مقاصد الحج أيها الإخوة الكرام. أحددنا مقاصد الحج في خمسة أو ستة نقاط سأتلوها عليكم. الأولى التربية الروحية. أن الحج سفر إلى الله قبل أن يكون سفر بالبدن. الحج c'est un voyage vers Allah. Ton corps il voyage sur terre. Mais ton âme, elle voyage vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Ton corps, il voyage sur terre, mais ton âme, elle voyage vers Allah. Peut-être que ton corps, il n'arrivera pas jusqu'à là-bas. Peut-être qu'il y a un obstacle de visa ou d'avion ou un pays embargo, j'en sais rien, on ne te laisse pas rentrer. Mais ton âme va arriver chez Allah. لأن الحج سفرون سفرون بروحك إلى الله subhanahu wa ta'ala. والحج يعلمك التربية الروحية الطيبة. Quand tu vas au Hajj, ayyuha al-ikhwa, qu'est-ce que tu fais? Tu as ton hôtel et tu règles ta vie sur quoi? Sur la prière. Tu règles ta vie sur la prière. وكأن الحج مدرسة
حتى لما تعود. Quand tu reviens chez toi, حتى لما تعود تضبط نفسك. Tu vas réguler, tu vas régler ta vie sur quoi ? Sur la prière. وإذا ضبطت نفسك على الصلاة فكل أمورك تستوي. Tout ce qui est en toi, toutes tes affaires vont se régler si tu règles ta vie sur la prière. Et même les savants des PNL aujourd'hui, les psychologues, ils vous disent, si vous faites 5 pauses ou 6 pauses par jour, 6 pauses où vous reposez votre âme, tout rentrera dans l'ordre dans votre vie. Subhanallah. الحج سفر إلى الله وهو يعلمنا التربية الروحية. الحج, regardez أيها الإخوة, الحج, c'est un rassemblement international une fois par an. C'est un rassemblement international. Il n'y a pas une religion. ما كاش ديانة في العالم qui rassemble ses adeptes une fois par an, une fois tous les ans, à part les musulmans. Une fois par an, les musulmans se rencontrent là-bas. Avant l'avènement d'Internet, quand on partait du Maghreb, on rencontrait des gens qui venaient de l'extrême est de l'Asie. Et on savait ce qui se passait à l'extrême est de l'Asie. D'ailleurs, le colonialisme avait compris ça. Et quand le colonialisme a compris ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'incitait pas les gens à aller au Hajj. Et ceux qui allaient au Hajj étaient vraiment ta'inina fi sann. C'était des gens vraiment âgés. Quand ils revenaient, ils ne pouvaient plus entamer des actions. Regardez, les Britanniques avaient compris que si les musulmans, on ne tient pas Mecca, on ne tient pas le Hajj, on ne tiendra jamais les musulmans. Et donc les Britanniques ont tout fait pour casser l'Empire ottoman et créer une entité qui tiendra la Mecque et qui tiendra le Hajj, mais qui est à leurs ordres. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Mais on a rendez-vous, Inch'Allah, ayyuha al-ikhwa. Je vous raconterai ce qui s'est passé en 1924. Dans les années 20, dans les années, la Première Guerre mondiale et après la Première Guerre mondiale, وقصة شريف حسين الذي كان شريفا على مكة وغره ملكه. Et ils lui ont promis moi, ils m'ont réveillé après, ils lui ont donné un coup de pied, ils lui ont dit, ils l'ont jeté, les Anglais. Je vous raconterai ces histoires, ayyuha al-ikhwa, pour que vous compreniez ce qui se passe aujourd'hui, pour que vous compreniez tous les courants politiques qui se passent dans le monde musulman aujourd'hui et pourquoi les musulmans sont tellement divisés et pourquoi certains qui détiennent les clés de la Mecque et de Médine sont aux ordres de l'oncle Sam, sont aux ordres des Britanniques. Vous comprendrez, ayyuha al-ikhwa. Lakin ha'ulai yamkurun, wallahu khayrul makirin. Wa yamkurun, wallahu khayrul makirin. Wa yamkurun, wa la yahtasibuna ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu nahtasibu ila Allah. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. Ne faiblissez pas quand vous défendez vos acquis, quand vous défendez vos âmes, quand vous défendez votre religion. Ne faiblissez pas. Pourquoi? Parce que les autres en face, ils subissent la même chose que ce que vous subissez. Ce sont des hommes. وترجون من الله ما لا يرجون. Vous souhaitez, vous espérez d'Allah ce que eux ils espèrent pas. Ne faiblissez pas. الحج يعلمك الانقطاع عن الدنيا. الحج يعلمك الانقطاع عن الدنيا. الحج, il nous apprend quoi? Le détachement par rapport à cette vie. Avant, ايها الاخوة, والله ايها الاخوة, اعرف اخا لي هنا في هذه المنطقة, هو استاذ رياضيات في dans un collège ici, il est professeur de mathématiques. Il me racontait, et je vous ai déjà raconté l'histoire, il est parti avec nous au Hajj en 2004. Il nous disait que son grand-père est parti en 54. Il est parti d'Algérie, je crois. Il est parti en 54, il est revenu en 56. Al-Hajj yu'allimuk al-inqita' 'an ad-dunya. Al-Hajj t'apprend, tu te coupes de ta famille. Tu te coupes de ta dunya. Autrement dit, quand tu dis j'ai pas de temps pour faire ceci ou cela, j'ai pas de temps pour faire ça ou ceci. Ceux qui sont dans la tombe, personne n'a fini ses affaires, ayyuha al-ikhwa. فالموت يأتيك بغتة فالموت بادروا كما في حديث جابر بادروا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض عليه ولا ما يعرض له بادروا بالحج. Faites attention, dépêchez-vous à faire al-hajj, le prophète nous dit, parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver l'année prochaine. Si tu n'as pas fait al-hajj, badir, ijtahid, mets un plan, planifie ta vie pour faire al-hajj. Al-hajj, c'est un pilier. Et si tu as les moyens et tu as la capacité que tu n'as pas fait le hajj, فَلَيْسَ لِلَّهِ يَمُوتُ. Celui qui veut mourir en chrétien ou en juif, qu'il le fasse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit. الحج يعلمك الانقطاع عن الدنيا أيها الإخوة. تحضرني هنا
قصة لحاتم الأصم رحمه الله. حاتم الأصم هذا c'était quelqu'un qui était contemporain de l'imam Ahmed. Il était contemporain de l'imam Ahmed. Un jour, il décide d'aller au Hajj. Et le Hajj à l'époque, ayouha l'ikhwa, Hatim al-Assam asluhu min Khorasan. Khorasan, c'est la partie orientale de l'Iran actuel. Mais sachez que l'Iran, c'était un pays sunnite pendant des décennies, pendant des siècles, jusqu'à ce que les Séfévides ou la Dawla Safawiya imposent le schisme en Iran. Donc, Abu Hanifa, Abu Hamid al-Ghazali, Hatim al-Assam, ulama al-fiqh, ulama al-hadith, Ibn Majah, Nasa'i, كلهم من هذه المناطق أيها الإخوة. Ils viennent tous de cette région-là. Hatim al-Assam كان زاهدا عابدا وأراد أن يحج. Il a décidé de partir au Hajj. Et ses enfants lui ont dit, papa, on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez à faire. Donc tu ne peux pas partir et nous laisser. قالت له ابنته الصغيرة. Il avait une petite fille et qui avait toute confiance en Allah. يا أبت اذهب. Vas-y. فالذي يرزقنا هو الله وبمحضرك يعني سواء tu es là ou tu n'es pas là Allah سبحانه وتعالى هو رزقنا وأنت ذاهب إلى طاعة الله أنت ذاهب إلى طاعة الله tu vas acquérir quoi tu vas faire le hajj tu vas dans l'obéissance d'Allah donc vas-y et ne t'inquiète pas pour nous فذهب ذهب إلى الحج وطمأن عليهم نعم ترك لهم الزاد لكن نفذ الزاد بعد أيام قلائل. Il leur a laissé de quoi se nourrir. Mais au bout de quelques temps, au bout de quelques jours, Zad il est fini. Tout ce qu'il a laissé était parti. Les gens de la maison sont venus voir la petite. Regarde maintenant, comment on fait? Comment on fait? Il n'y a plus rien à manger. Comment on fait, toi qui as conseillé à notre père de partir? Regardez, ayyuha l'ikhwa. Elle a passé, et regardez, tawakkul. التوكل أن تتوكل على الله ولا تطلب شيئا من أحد. Tu ne demandes rien à personne. Tu mets les moyens et توكل على الله. فباتت الليلة تبكي. وفي الصباح مر من بيته أو من بيتهم. Quelqu'un qui passe à côté de leur maison et c'était Amir al-Balad. C'était le gouverneur de cet état-là. فأصابه ظمأ شديد. فأصابه ظمأ شديد. Il a eu très soif. فقال لجنديه احضر لنا الماء. ماء بارد. Essaie de trouver de l'eau fraîche. فذهب إلى بيت حاتم الأصم فأطرق الباب وقال إن الأمير يطلب ماء فقالوا الأمير فأتوا له بماء بارد ils lui ont donné une eau vraiment fraîche. يعني أنزلوا الناس منازلهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ils lui ont donné une eau vraiment fraîche. فلما شرب الأمير قال بيت من هذا؟ C'est la maison de qui? قالوا سي لا ميزون دو حاتم الاصم قال سبحان الله حاتم الاصم العالم الزاهد لو غران سافون قالوا نعم قال ايتوني به غامني لو موا كو جو لو رونكونتر كو جو لو رمرسي بور سكيل ما في قالوا انه ذهب الى الحج الي بارتي بور الحج قال ففرض علي الان جو سويز اون دووا ان اكرم اهله دتر جينيرو افيك سا فامي فاخذ بسره من ذهب ورماها في فناء البيت. Il a pris une bourse d'argent, il l'a jetée. Une bourse d'or, il l'a jetée dans la cour de la maison. Et il s'est retourné vers tous ceux qui étaient avec lui. Celui qui m'aime et celui qui croit m'aimer ou là qui m'obéit, qu'il fasse la même chose. Et tout le monde a sorti une bourse et il l'a jetée dans la cour. Allahu Akbar. La ilaha illallah. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا ليس Ceci, ce n'est pas une règle juridique, ayyuha al-ikhwa. Lakin qissa min al-athar tu'allimuna kayfa idha tawakkalna 'ala Allah anna Allah la yudhayyi'uk. Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idha khifti 'alayhi fa'alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin. Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte quoi? La confiance de la mère de Moïse. Mais quand il nous raconte la confiance de la mère de Moïse qu'elle a mis en Allah, il nous le raconte à qui? À nous. Pourquoi il nous le raconte à nous? Pour qu'on prenne confiance en Allah de la même manière, ayyuha al-ikhwa. Likay tatawakkal 'ala Allah haqq at-tawakkul. Likay tatawakkal 'ala Allah haqq at-tawakkul. Al-hajj, ayyuha al-ikhwa, yu'allimuka az-zuhd fi ad-dunya. Al-hajj yu'allimuna az-zuhd fi ad-dunya. Il nous apprend l'humilité.
تصور أيها الأخ الكريم أنك لما تذهب إلى الحج tu vas mettre deux étoffes autour de toi et tu vas aller à Arafat, tu vas demander à Allah et tu vas dormir par terre. Tu vas dormir par terre في المشعر الحرام. Quand tu vas revenir à Muzdalifa, tu vas voir des millions de gens qui dorment tous par terre. Fal amir wal kabir wal saghir wal tabib wal muhandis wal ladhi 'indahu wal ladhi laysa 'indahu. Celui qui a, celui qui n'a pas, celui qui est gouverneur, celui qui est médecin ou qui est rien ou qui est grand, tout le monde dormira par terre. Ya ayyuha an-nas taqoo rabbakum in zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdhi'atin 'amma ardha'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لماذا بدأ الله سبحانه وتعالى سورة الحج بآية بمشهد من يوم القيامة؟ Pourquoi Allah سبحانه وتعالى a commencé cette sourate, سورة الحج, avec une image du jugement dernier؟ لأن الحج مشهد مصغر. Parce que le Hajj, c'est une petite image du jour du jugement. Tu vas voir des millions de gens, tous habillés de la même manière, et tous levant la main vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça t'apprend quoi? L'humilité. Ça t'apprend que tu es un musulman parmi d'autres. Que tu es un musulman parmi toute la communauté. Que tu es un musulman, ta présence ou ta non-présence, c'est exactement pareil. Ya ibadi, law anna awwalakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin thumma talabu minni. Si chacun d'entre vous, Allah subhanahu wa ta'ala fi al-hadith al-qudusi nous dit: oh mes serviteurs, c'est chacun d'entre vous, depuis le premier créature, depuis la première création, jusqu'à la fin. Et parmi les djinns et les ins, ils montent tous, ils se mettent tous sur un seul niveau. Et ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à chacun ce qu'il demande. Ceci ne diminuera le royaume d'Allah, illa kama yunqisu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr. Ne diminuera le royaume d'Allah que ce que prend l'aiguille quand elle rentre dans l'océan. أيها الإخوة تعلم التوكل على الله وتعلم الزهد في الدنيا هذا من مقاصد الحج أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيضا أيها الإخوة من مقاصد الحج اليقين والسرتيتود وأنكم راجعون إلى الله وسوف نوفى حسابا عند الله سبحانه وتعالى من مقاصد الحج أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا الانضباط. Tu dois être discipliné. Vous avez remarqué, ayyuha al-ikhwa, anna ayat al-hajj ta'ti, matta ta'ti ayat al-hajj fil Qur'an, ta'ti ba'da ayat al-siyam. L'anna al-siyam a yu'allimuka al-inzibat. Ayat al-hajj, elle vient juste après les versets du jeûne. Pourquoi? Parce que le jeûne, il nous apprend quoi? Il nous apprend la rectitude, il nous apprend la discipline, il nous apprend la maîtrise de soi. Quand tu as appris la maîtrise de soi, deux mois après, Allah subhanahu wa ta'ala dit maintenant, faridat al-hajj, tu peux y aller. Tu peux y aller et tu vas rencontrer des gens. Mais iyak, iyak, anta fi ta'ati Allah, wa anta fi ta'ati ar-Rahman. Akhiru shay'in ayyuha al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous avons fait de vous la nation du milieu, la nation du juste milieu, pour que vous soyez témoins sur les gens et pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit témoin sur vous. Et dans cette ayah, juste après cette ayah, Allah subhanahu wa ta'ala yuhawwilu al-qibla. Il nous dit maintenant, vous tournez vers le masjid al-haram. Wa haythu ma kuntum, fawallu wujuhakum shatra. Qad nara taqalluba wajhika fi as-samaa, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wujhaka shatra al-masjid al-haram. Wa haythu ma kunta, fawallu wujuhakum shatra. Wa haythu ma kuntum, fawallu wujuhakum shatra. Wa inna alladhina utu al-kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Là où vous êtes, tournez-vous vers le masjid al-haram. Spécificité de le masjid al-haram. En Allah subhanahu wa ta'ala ja'allahu qiyaman linnas. Autrement dit, si ton cœur, il se tourne vers le masjid al-haram. Et qu'est-ce que ça veut dire que ton cœur, il se tourne vers le masjid al-haram? Ça veut dire que la centralité dans ta vie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que ça veut dire. Parce que minan nas man qala hadoula al-muslimin. Les muslimoun hadou, qu'est-ce qu'ils ont? Suddaj. Ils sont faibles d'esprit. يطوفون على حجر ويرجمون حجر نعم حجر نطوف عليه وحجر نقبله وحجر نرجمه et on parlera de ça inshallah في الجمعة المقبلة بإذن الله حجر نطوف عليه وحجر نقبله وحجر نرجمه on tourne autour d'une pierre et on embrasse une pierre et on lapide une pierre
هذا أصل التوحيد. Pourquoi ? C'est Allah qui nous demande. Nous ne le faisons pas parce que nous avons vu nos pères ou nos grands-pères. Non, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Yatoufou bil bayt » Wa al-hajar al-aswad, Umar al-Khattab radiyallahu anhu, lamma qabbalahu Rasulullah, qal, wallahi innaka la hajar. ولو لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك يا حجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر إنه حجر من الجنة إنه حجر من الجنة la pierre noire. Quand Omar al-Khattab il a vu le prophète صلى الله عليه وسلم l'embrasser, il a dit tu n'es qu'une pierre, et si j'avais pas vu le prophète صلى الله عليه وسلم t'embrasser, je t'aurais jamais embrassé. Le prophète lui dit لا يا عمر, c'est une pierre du paradis, et c'est une pierre qui viendra témoigner le jour du jugement que tu es passé par là et que tu as fait le hajj parce que tu as répondu à l'appel d'Allah. Labbayk Allahumma labbayk. Ça veut dire quoi, labbayk Allahumma labbayk? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a appelé et que ton âme répond à Allah. Faqad qala Allahu li Ibrahim adhin al-ana fil nas wa adhin fil nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Ibrahim, vas-y, appelle les gens à le hajj. Il dit ya Allah, comment je peux appeler, il y a personne. قال انت عليك النداء وانا علي البلاغ. Toi tu appelles et moi je transmets. Et quand ton âme la تحدثك بالحج, ton âme n'a pas encore entendu l'appel de Sayyidina Ibrahim. Mais quand ton âme elle appelle, elle veut absolument aller au Hajj, c'est que ton âme a entendu l'appel de Sayyidina Ibrahim. المكة المكرمة ايها الاخوة والكعبة الشريفة متصلة بالبيت المعمور. متصلة بالبيت المعمور. حتى انكم quand vous allez à la Mecque, vous allez voir les anges, vous allez voir, pardon, les oiseaux qui tournent autour de la Kaaba, mais qui ne traversent jamais l'axe de la Kaaba comme ça. Les vortex d'énergie à la Mecque, yuha l'ikhwa, sont 2000. C'est les plus grands vortex d'énergie, c'est les plus grands courants d'énergie, si vous voulez, ils sont à la Mecque. Wa Mecca bil hisab al daqiq. Mecca, yuha l'ikhwa, al Kaaba al sharifa, yuha l'ikhwa, bil hisab al daqiq, c'est le centre du monde. Comment ? Vous allez me dire, comment la Mecque, c'est le centre du monde ? Reprenez la Pangée. Avant la dérive des continents. Reprenez la Pangée avant la dérive des continents. Vous allez voir que de l'extrême, l'Yabissa, si vous reprenez les terres, allez de l'extrême à l'extrême et de l'extrême à l'extrême, vous allez voir que la Mecque, elle est exactement au milieu, au centre des terres. Lidhalik Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, la centralité dans ta vie doit être ça, ayyuha al-akhil karim. C'est toi en tant que musulman. Litakounu shuhada'a ala al-nas. Wa qala al-ulama fi al-bayt al-atiq, وكأن الإسلام حجرة. C'est comme une pierre qu'on a jetée dans un océan et qui a créé des ondes. La dernière chose, أيها الإخوة, أن الطواف. أنت ترى في الطواف أن كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى. Chaque chose que Allah سبحانه وتعالى a créé, du plus petit au plus grand, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, il y a un mouvement circulaire qui tourne dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Vous avez le noyau et vous avez l'électron qui tourne dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Vous avez la lune et qui tourne dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre autour de la Terre. Et vous avez la Terre qui tourne dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre autour du Soleil. Et nous, qu'est-ce qu'on fait à la Mecque ? Quand on va à la Mecque, quand on va à Al-Kaaba, nous tournons dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Wa natufu sab'ata ashwat ayyuha al-ikhwa. Fama nahnu illa ibadullah. Nous savons que nous sommes les serviteurs de Dieu et nous reproduisons exactement la création d'Allah. Nous reproduisons, nous disons, ya Allah, nahnu ibaduk, wa nahnu ataina min biladin ba'ida bidhunubin kabira, faghfir lana hatihi dhunub ya rabbil alamin. Allahumma ij'alna min at-tawabin, waj'alna min al-mutatahhirin. Allahumma ihdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma atayt, wa qina sharra ma qadayt. إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.